It's a robot. Hey, bonjour à tous, c'est Seb. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode, après que Link se soit étiré de son aventure, ce Wind Waker. Donc là, on est sorti, on a battu le boss de l'arbre Mojo, et on va voir ce qu'il va nous dire. Quoi ? Cet endroit porte bien la marque de ton de redécouvert. Quoi ? J'ai pas compris. Cet endroit porte bien lui aussi la marque de Ganon, d'accord. Comment peut-il donc retrouver toutes ses forces ? C'est la dernière perle que tu dois trouver dans cet endroit situé au nord-est de l'île. Partons vite. Au nord-est. Donc c'est par là. Alors, mais ce qu'il me dit nord. Nord-est il a dit. Ok, go. Il s'en va, là, là. Il va falloir j'aille au marché un petit peu, je pense, parce que ça fait un moment que j'y ai pas été. Donc là, est-ce qu'on va se taper le calmar géant, parce qu'il y a un calmar géant, bien sûr. On va voir tout ça dans ce 9e épisode. Donc, quand on s'y prend, là, je veux plus m'arrêter. Quand je commence un Zelda, même si en ce moment, j'ai pas la patience, bah, une fois que j'y suis. Donc là, ça va être quoi cette petite île? Alors, cette carte est cachée. D'accord. Enfin, j'allais faire, il y a plein de petites îles au trésor. Ah merde, c'est le départ. T'es con. Ips. Alors, on va s'orienter. Hop, alors voilà. Enfin, le gamepad, il dit que c'est ici. Dans la case. Inconnu. On peut pas grandir la carte. Non, je crois qu'on pouvait. Et ça, comment ça indique? Ça se devient, hein? Ok. Qu'est-ce que c'est ça? On va s'arrêter, on va faire une petite halte. Putain, il y a des coups de ralentissement énormes. On va aller voir un peu, on va dire bonjour monsieur. Ça a l'air intéressant. Oh, mais c'est classe ici. Vous voulez faire une sieste? Allez, petit tourbillon. Alors, qui c'est ce bonhomme? Oh, un goéland, deux goéland, trois goéland, 4, 5, 6, 7, 8 goéland. Tu sais dire que ça, mec. Ok. Ôtez vos sales pattes de là, mal élevé. Le propriétaire de cette île possède la jouissance exclusive de la ville là. Allez, filez d'ici, horrible individu. Objet. Poser l'objet. Et un peu de bonheur, il me rend la ville. Objet. Alors, qu'est-ce que je... Non. Sors de là. Est-ce qu'ils sont tous mes objets que j'ai récupérés? Ah, dans ma sacoche, non. D'accord. Ouais. Oh putain, il pleut. Là, c'est pas cool. Ah, arrange son épée. Allez. Là, c'est le petit... Bim, bim. Le petit carreur de détente. Allez, c'est parti. Hop. La maniabilité des fois elle est un peu hasardeuse. Ou alors c'est trop sensible.
Non, elle te coupe pas les plantes. Monte. Ici la voile. Carte. Allez, fonce. On va essayer d'éviter ce... Oh bien. Casse-toi. Chaud, j'ai chaud, fesse. Ah. Fais en vue. On a l'air par là-bas. Allez Luc. Putain c'est chiant. Oh putain, regardez. Où est là? Il me suit mais tout, c'est génial. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, on a un crochet pour ramasser. Okay, okay. No. Ah, je me rappelle. C'est bien, en même temps, je redécouvre. Pas tout découvert en fait, après à mon avis ça doit faire une belle carte, mais ça doit vraiment découvrir au fur et à mesure. Yeah! Alors qu'est-ce que j'ai trouvé au fond de la mer? Excellent. Je peux pas arrêter en vain. C'est quoi ça? Un sous-marin. Qu'est-ce qui se passe? Des chances. Ah, le temps est sur bout de temps. Très peu. La météo, la mer est calme. Oh. Oh putain. À ce coup. Oh merde, d'un coup comme ça. Oui. Une bouche précaire. Oh oh oh. Ah, je me suis trompé, je suis rentré dans une forteresse. Oh le con, c'est une île de pirates. Allez, allez. Allez. C'est dans le sens. Ah là. Pas la bonne île. Elle est là-bas. Oh putain. Ils sont tranquilles. Cassez-toi. Bah je vais être comme Polly Pocket mec. Moi qui l'ai rapide mon petit bateau. Oh, putain, là,
ils sont bien moches. Dégage, t'es moche. J'y ai cru tout à l'heure que j'étais dans le même endroit. Limite, je me fais carotte à cause de cette conne. Allez, on est à 4 bois dans le mec. Oh, dites-moi ce qu'il y a de bois là. Eh, enlevez. Enlevez les copains. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Terre en vue. Hein? Mais? Quoi? Comment? Oh là là, l'île du poisson. Où ça a morflé là? Mais l'île, elle... Arrivons, nous arrivons trop tard. J'en avais peur, mais je pensais pas à ce point. Jabus, l'esprit de l'eau, vivait, paraît-il, dans cette île. Mais vu l'état de l'île, y vit-il encore? Yo, Sam. Hein? Enfin te voilà, je te cherchais partout. Merde. Je crois que tu cherches Jabu, l'esprit de l'eau, c'est bien ça? Je suis désolé, mais je veux te dire que Jabu n'est pas ici. Cet endroit est lugubre, n'est-ce pas? Encore un coup des monstres de la forteresse maudite. Mais rassure-toi, celui que tu cherches, Jabu, a eu le temps de s'enfuir avant que l'île ne soit détruite. Et devine où a-t-il trouvé refuge? Dans l'île où tu es né. L'île de l'Aurore. Hein? Ah, mais tu auras beau aller sur l'île de l'Aurore, tu ne pourras pas rencontrer Jabu. La caverne dans laquelle il se cache est fermée par une lourde stèle, ce qui la rend inaccessible d'extérieur. Même les pirates n'ont, paraît-il, pas réussi à y entrer. Désolé, Sam. Je pensais que les pirates savaient où tu étais. Je leur ai donc distraitement parlé de tout ça. Et voilà qu'ils sont partis vers l'île de l'Aurore, pénétrés dans la grotte. Mais ils n'ont pas réussi à y pénétrer. Et ils se trouvent maintenant à mercantile, sans doute en train de préparer un mauvais coup. Si tu veux aller trouver Jabu, tu devrais peut-être aller voir. Quoi? Est-ce qu'il sera un mercantile? Oh non, pas en haut. Mais cette île, c'est quand même dingue. Il fait beau partout ailleurs en mer, mais ici le ciel est noir et menaçant. C'est d'un triste. Malo a sûrement raison. Quand il m'a dit de revenir te rencontrer, te raconter tout ça, il a dit que cette île était maudite. Toi non plus, ne reste pas trop longtemps ici. C'est tout ce que j'avais... Quoi? C'est tout ce que j'avais sur Jabu. Putain, je dis tout ça. Ne te précipite pas. Bon, on va où? On va où, les rouges? Le grand Jabu est donc sain et sauf. Cet esprit qui a traversé courageusement les âges aura donc perçu l'imminence de l'attaque de Mikana. À en croire les dires de ce piaf, les pirates sauraient quelque chose sur la caverne dans laquelle se cache Jabu. Allons donc à Mercantile et tentons de découvrir ce qu'il s'y passe, d'accord? Comment as-tu oublié l'endroit au sud de la carte? Carte. Mercantile. C'est parti. Attends. Non, c'est ça.
Alors, je vais faire souffler devant. Par là. Voilà. On ira beaucoup plus vite. Alors, on bombarde là. Bombarde! Ah, je couperai les séquences, mais hein, s'il y a rien d'intéressant, je coupe. Sinon, on va perdre trop de temps. Trop de temps sur notre vie. Dès qu'il bouge, on n'a plus qu'à étendre. Putain, des requins. Oh, les squats. C'est parti, on va la couper, je vous dis. Et c'est la lune, cacher les nuages. On est presque la couper, l'eau. Voilà, je vous ai coupé le passage de la mer longue. Nous revoilà donc sur l'île de Mercantile. Ce piaf avait raison. Voici le bateau des pirates, ancré à l'abri des regards. Je ne savais pas ce qu'ils cherchaient, mais ils doivent bien avoir un trésor en vue. Malheureusement, ils ne diront jamais rien. Seb essaie d'apprendre en cachette ce que font les pirates ici. Donc c'est parti, on va essayer d'apprendre ce qu'on verra ici. En cachette bien sûr. Donc il faut que je me déguise. Il n'y a personne. Pas l'auberge ça. Il souffle un vent terrible ce soir, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me calmer. Calme-toi. Laisse-moi fouiner un petit peu. Qu'est-ce que c'est déjà ? Où est-ce qu'il est le bar ? Le bar ?
Bienvenue à la pharmacie Chouchou. Nos potions sont les meilleures, je peux vous l'assurer. Elles sont trop finies, peut-être. Vous me demandez de quoi je parle, vous ne connaissez donc pas les cellules du Chouchou. Vous n'avez donc jamais entendu parler chez Chouchou. Cet ingrédient naturel très efficace qui revitalise comme... Ah ouais. Nous en faisons vraiment étonnant. Apportez-moi un flacon vide, je voudrais goûter. Ah merde. Là, il est vide. Oh merde. La prochaine fois, je reviendrai. Et qu'est-ce qui tombe là? Ils sont tous... Ah voilà. Non, ça c'est pas le bar. Il y a le café. Bah mettre au café en haut. Au café. Pirate, c'est mon bon café. Plus d'alcool. Du rhum. Ils sont là. J'ai entendu dire que les pirates allaient venir ici. Je me demande si c'est vrai. J'espère que non. Tu imagines si jamais ils entrent ici? Comment vais-je faire? Ils sont là déjà. Je t'assure, je l'ai vu. Un énorme bateau de pirates qui s'approche rapidement de nos côtes. Ça, c'est des pirates. Si jamais les pirates venaient pour le bon... Pour de bon, je me demande si ce qui arriverait à cette petite île tranquille. Ils sont là. Après l'effort, le réconfort. On a bien mérité une tasse de café, non? Les pirates aussi ont le droit de se reposer. Et en mer, il n'y a pas de café comme celle-ci. Ils sont là, ces petits cons. Parle-moi, petit scarabée. Tu es au courant, on dit que des pirates sont venus sur l'île. Moi, j'ai vraiment du mal à croire ça. C'est eux. Pas vraiment un genre comme tâche. Bonjour. Bon, y'a rien. Genre, c'est pas les pirater. Nous ne sommes pas les pirates. Non. Nous sommes des gens. Civilisés. Bon, ça va être un épisode de moins drôle quand même. Hein. Fouiner comme ça. Ouais, s'il saute sur le bateau. Direct. Il ira bien, il trouvera les... Enfin pas, parce qu'il y a... Pirate. On rentre pas. C'est le passe d'entière. Oh merde. Oups. Yeah. Non! Oh putain, j'étais bien émerdé pour pas tomber. Et ben là, dans le cul. Bouteille, alors qu'est-ce qu'il y a comme bouteille? Conserver le cliché. Tant d'eau, il est franchement bien fait. Cette maison est pleine de secrets. Ça met en pause le gamepad quand on a des photos. Ça pourrait les montrer à tout le monde, ça aurait été sympathique. Putain, il écoute. Il est trempé, le pauvre. Bon, il faut trouver le mot de passe. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un là?
Quel temps? Non, une espèce, un fange dedans par ce temps pareil. Ok. Et le mot de passe, ce serait pas café? Parce que vu que je vois des gains. On va aller voir le bourgeois, peut-être qu'il sait quelque chose. Mais à mon avis, le mot de passe, c'est café. Ça tonne. Je crois qu'il n'y aura pas d'enchères ce soir, sans doute à cause de cette tempête. Et je voulais lui casser un pot de fer, mais est-ce qu'il râle si je lui pète dessus? On en vit. Je vais passer le café. Qui c'est celui-là? J'ai croisé tout à l'heure des gens que je n'ai jamais vus ici. Ils allaient vers la poudrière. Poudrerie, je me demande bien ce qu'ils faisaient ici. La poudrerie. La poudrerie. La poudrerie. Normalement, elle me semble pas qu'elle est par là. Quoique. Si, il y a la poudrerie. Non, c'est la poudre... Non, c'est la prison ça. Ah, oh, je sais plus. Ouais, c'est la prison. La poudrerie est au moulin, normalement. Enfin, au phare. Je suis sûr que le mot de passe était... Dès le début j'aurais dû aller faire ça. J'ai voulu enquêter. J'ai perdu du temps. Avec la poudroie. Il me semble que c'est ça. Je me rappelle plus. C'est fini pour aujourd'hui, rentrez chez vous. Allez, si ça apparaît pas, c'est chiant ça. Allez, mais plaque-toi. Et vite, plus vite. J'ai du pognon à 500, c'est pas mal. Je pense que je dois pouvoir acheter pas mal de trucs avec tout ça. Non. Oh putain, j'ai cru que j'allais tomber. Et j'ai cru que j'allais finir là-bas. Ah, tu veux pas qu'on aille voir en secret? Mais nous, on sait que tu fais des petites cachotteries. Alors, qu'est-ce que tu nous caches, fille-là? Elles l'ont chopé. Désolé, mais nous n'avons pas besoin de bombes. Si nous voulons trouver des trésors... Je sais que c'est drôle de commerce, mais tu aurais quelque chose à l'argent. Tu es du toupet aussi, de demander un prix pareil à des pirates, tu trouves pas? Non, pas du tout. Hey Gonzo, c'est impressionnant, la facilité avec laquelle tu as soutiré ces informations au facteur. Hein? Oh, ouais. Mais depuis que nous avons rencontré ce garçon Seb, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose sur l'île de l'Aurore. C'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet quand nous avons rencontré le facteur. Et le tour était joué. Ça, on peut dire que c'est dans ces moments-là, tu es le meilleur. Quand il s'agit d'avoir de mauvaises idées, c'est toi le Gonzo aux mauvaises idées. Et t'étera la marine à vie des enfants, d'accord? Il faisait des sacrés pirates, crois-moi. Idiot. Tu dis n'importe quoi, vraiment. Hein? T'es travaillé, dit n'importe quoi, pas vrai? Allez là. C'est une blague en tout. Juste une blague. Bon, au lieu de dire des âneries, vous feriez mieux d'apporter
ces bons beaux navires. Une fois qu'elles seront embarquées, nous pourrons partir de l'île d'Aurore. De l'Aurore, c'est pareil. Quoi? Mais c'est impossible, ça fait si longtemps que nous n'avons pas passé une soirée à terre. Faisons un bon dîner ce soir, et nous lèverons l'ongle demain matin. Enfin moi, ça m'est égal, on fait comme tu veux. Mais bon, tout l'équipage se réjouissait d'avance de profiter un peu de la soirée. Ça serait dommage de les décevoir. Allez! Allez! Et si tu... Et quoi? Et si nous partions seulement demain matin? Les trésors ne vont pas s'enfuir de toute façon. Hein, vous êtes d'accord? Hein? Vous êtes vraiment bêtes tous. En tout cas, dépêchez-vous avant que l'île d'Aurore ne devienne aussi sinistre que celle-ci. Hein? À entendre, on dirait que le destin de cette île t'inquiète plus que son trésor. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui m'intéresse. Bon, très bien, c'est d'accord. Nous levons l'ancre demain matin. Mais demain matin, pas question de faire grâce matinée. C'est compris? Ouais. Youpi. On fait Gonzo, c'est quoi le mot de passe aujourd'hui déjà? Tu l'as oublié? Tu n'es vraiment... Tu ne fais vraiment attention à rien. C'est quoi ma passe? C'est quoi ma passe? Aujourd'hui, c'est... Le mot de passe, c'est... Denier. Intérêt à ne pas le dire, à le dire correctement au Nico, je ne sens pas entrer. Nico est tellement pointilleux sur ces choses-là. Je le répète une dernière fois. Le mot de passe aujourd'hui est Denier. D-E-N-I-E-R-S. Je regarde pour me tromper. C'est bon. Et là je zappe. Ah oui, Denier, trois fois. Pas libéré, on prend nul. Denier. D-E-N-I-E-R-S. C'est parti. C'est parti pour le mot de passe. Et on s'arrêtera sur ça. Je pense. On va voir. On s'arrêtera après cette petite incursion dans le bateau pirate. Denier. Mot de passe. Denier. D-U-N-I-I-I-I. C'est ça. C'est bon, entre. Je t'ai carotte, mec. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à voler? Alors, tiens Seb, c'est toi Seb? Eh ouais. Alors tu es en vie. Gonzo et les autres m'avaient dit que le gros oiseau de la forteresse maudite avait eu ta peau. Mais non. Mais tu es bien vivant. Tu t'ennuyais de moi? Pas du tout. Je voulais revenir sous mes ordres. Vraiment? Depuis que tu es parti, je suis redevenu le moins gradé. C'est pour ça que je fais le planton ici. Pendant que les autres se tapent la cloche. Mais ça fait vraiment plaisir de savoir que je t'ai manqué. Allez, cette fois encore, je vais te faire passer un petit test. Il est plus dur que la dernière fois, accroche-toi. Comme tu peux le constater, il y a comme la dernière fois des lampes qui pendent au plafond. Ouais, mais la dernière fois, il y avait aussi des plateformes activées par un bouton poussoir pour sauter jusqu'à là-bas. Cette fois-ci, il n'y en a pas. Il va donc falloir que tu sautes encore en corde. Et puis à l'entrée de la grille s'ouvre en appuyant sur l'interrupteur. Mais elle se referme au bout d'un certain temps. Si la grille s'est refermée, il faut recommencer au début. Merde. Pour voir la grille, tu dois sauter sur l'interrupteur comme la dernière fois.
Si tu réussis le test dans le temps imparti, je trouverai les bombes que nous avons volées en ville. Ah, bravo, c'est à toi. Allez, go. Oh, je vais fermer ma tronche, péter un câble. Hein? Mais comment peux-tu arriver à faire ça aussi facilement? Tu n'es pas croyable. Mais alors, moi, je n'ai jamais réussi. Et lui, il fait ça comme si de rien n'était. Mais si je lui donne des bombes, je vais encore me faire attraper. Hmm? Allez, je te donne les bombes, prends-les. Mais surtout, ne le dis pas aux autres, hein. Surtout pas, c'est entre nous. Pas de problème. Pris deg, le mec. Sois pas deg. Vous obtenez des bombes. Vous pouvez transporter jusqu'à 30 bombes. Putain, quand même. Lancez les bombes en appuyant sur A et posez-les avec ZR. Elles éclatent avec fracas, c'est un voleur. Oh merde, les bombes se transforment en canon. Elle est à l'écran. D'accord, ok. Tu as tout de même tout paix de venir piller pirate. Quoi? Mais je suis vraiment contente de voir que tu te portes si bien après avoir été soufflé hors de cette tour. Mais pourquoi fais-tu cette tête-là? Ah, ta petite sœur est toujours prisonnière? Mais heureusement que c'était la tour de garde de Nico. Les autres ne t'auraient jamais laissé entrer. Mais au fait, que comptes-tu faire de ces bombes? Serais-tu toi aussi à la recherche de joyaux de Jabu? Ah putain, avec les bombes, je vais te faire péter! Le vénérable Jabu se cache actuellement dans la caverne derrière ton île. Allez, c'est parti. Mais l'entrée de cette caverne est bouchée par une grosse telle de pierre. Il te faudra la briser cette telle. Si tu veux entrer dans la caverne, ce soir, nous devons rester sur l'île et dîner tranquillement en ville. C'est demain matin très tôt que nous devons lever l'ancre vers pour l'île. Si tu pars ce soir, je me débrouille pour que tu arrives avant nous. J'arriverai bien à ralentir le mouvement. D'accord. Mais ne traîne pas. Parti. Allez, go. Bon, on va aller jusqu'à... On va voir si l'île est pas trop loin. Bah oui, on va aller jusqu'à l'île et on s'arrêtera et on joue couperait le voyage. Qui est strictement inutile. Et je me fais choper un flag. Allez, on se casse. Hop. Et on va tout. Oh putain, il est où mon bateau? Les bateaux. Allez là. Il s'est ancré. D'accord, ok. Tu vas dire merde, c'est vrai le con. Bien, je crois que nous sommes prêts. Si cette jeune fille dit vrai, les pirates ne devraient pas bouger d'ici avant demain matin. Tu devrais en profiter pour aller trouver Jabu et lui demander de te remettre la paire. Allons Seb, en haut but. C'est parti. Alors, carte. Forteresse maudite. L'île d'Aurore. Putain, elle est tout en bas. Oh mon dieu. D'accord, ok. Bon, je vais vous couper le voyage parce que l'île est tout en bas. Hop, nous revoilà. Tu as remarqué, Seb? Non. Depuis que nous avons abordé l'île du poisson infesté de monstres, c'est comme si le temps s'était arrêté. Le jour ne se lève plus. Merde. Est-ce la malédiction dont parle Valo? Ouais, en tout cas, si le jour ne se lève pas, nous n'avons pas à craindre que... Nous n'avons pas à craindre que les pirates nous précèdent.
Il y a bien longtemps que tu n'es pas rentré sur ton île. Peut-être, tu pourrais peut-être en profiter pour aller embrasser tes proches. Ouais, nous pouvons partir après à la recherche de Jabu. Bon, on va s'arrêter là pour ce 9e épisode un peu plus calme. Avec grosse bande en mer, donc je vais couper les... j'aurais coupé les passages, hein, comme vous allez le voir de toute façon. Donc j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, on se retrouve pour la recherche de Jabu sur l'épisode 10. Pensez à commenter, à liker et à partager les amis. Allez!